avec bien sûr mon équipe, pour que notre nouvelle institution, dont le socle repose sur l'expertise en matière de santé au service du développement socio-économique de notre pays, à travers la veille sanitaire, la recherche et la formation au service exclusif de nos populations. Pour ce faire, notre vision est de mettre à la disposition des populations maliennes des décideurs et des programmes une structure efficiente, fiable, qui stimule un système de santé performant, mais qui préserve le capital humain des risques sanitaires majeurs en vue d'asseoir un développement humain durable, social et économique pour notre cher pays, le Mali. Pour cela, Monsieur le Secrétaire Général, nous mettrons en avant les valeurs de transparence, d'efficience, de culture de l'excellence scientifique, de redevabilité envers nos concitoyens dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. L'Institut national de santé publique aura comme mission d'assurer la conception et la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, d'organiser la prévention et la riposte des menaces, alertes et crises sanitaires dans le cadre d'un réseau national constitué de services publics, de départements spécialisés créés en son sein et d'organes privés habilités, de définir les orientations, d'animer et de coordonner les actions. Ce challenge place l'Institut au cœur d'un dispositif stratégique rapprochant l'administration, d'une part des administrés, d'autre part des populations bénéficiaires. Dès lors, un contrat de performance avec à la clé la satisfaction du bien-être des populations s'impose à nous tous. J'ai eu la chance de démarrer au Mali la santé communautaire et Dieu sait qu'aujourd'hui ça fait la fierté du Mali à travers le monde. Et voilà une deuxième fois où je suis honoré de prendre en main une nouvelle structure encore. J'ose espérer que le Tout-Puissant me donne la force et le tact nécessaire pour pouvoir la conduire aussi à bon port pour en faire la fierté du Mali au niveau national voire international. Cet institut regroupe les anciennes structures de recherche du ministère de la Santé, à savoir l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments, le Centre de recherche et de documentation pour la survie de l'enfant, CREDOS, l'Institut national de recherche en santé publique, INRSP, le CENAM avec quatre autres structures, le Centre de développement de vaccins CVD, le département des opérations d'urgence en santé publique de l'UISP, les centres de pharmacovigilance et les centres influencés. C'est l'ensemble de ces structures qui ont fusionné pour donner naissance à ce nouvel institut, et c'est l'Institut national de santé publique, pour fédérer non seulement les ressources humaines, les ressources matérielles et financières, afin de pouvoir jouer son rôle. En termes d'activité, nous avons, en plus des missions traditionnelles des autres structures, il y a eu de nouvelles missions confiées à cet institut, notamment la veille sanitaire, les règlements sanitaires internationaux. Donc tout ce qui est veille sanitaire, les luttes contre les épidémies, c'est notre credo. Et un autre élément important, c'est le développement des vaccins qui a été donné maintenant à cet institut. Donc nous espérons avoir l'accompagnement nécessaire des autorités maliennes. Je suis sûr que ça ne fera pas défaut, mais nous allons aussi, dans le cadre d'un partenariat avec les autres partenaires africains et en dehors de l'Afrique,